Salut à tous. Bon, cette semaine, c'est pas vraiment un temps à sortir en mer, mais c'est pas grave, je vous ai préparé de belles images. Alors, au menu de Regatta, un point sur l'America's Cup, les ultimes et la Route des Princes, et enfin, de belles cascades sous voile. Et on ouvre tout de suite ce Regatta par le sujet du moment, l'America's Cup. Il est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, on doutait encore de la participation d'Artemis, qui s'était fait très silencieux depuis la mort d'un de leurs équipiers en mer. Alors, où en est-on exactement? Pas facile d'y voir clair dans cette Cup qui s'annonçait comme l'événement sportif planétaire, mais qui ressemble de plus en plus aujourd'hui à une grosse farce. Car la Cup essuie de nombreuses critiques. D'abord, jamais aussi peu de concurrents dans l'histoire moderne pour disputer la Louis Vuitton. Seuls trois syndicats, aujourd'hui c'est sûr, Lunarossa, Emirates Team New Zealand et Artemis, s'apprêtent à disputer les régates qualificatives pour la grande finale en septembre. Ensuite, a été décidé que le premier mois de régates, les fameux round robin, compterait pour du beurre et le nombre de régates a été réduit. Les challengers ne commenceront qu'à marquer des points à partir du 6 août 2013, date des premières demi-finales de la Louis Vuitton Cup. Les pénalités financières pour les challengers qui ne prendraient pas le départ d'une manche des round robin ont été supprimées. On peut donc imaginer des round robin durant lesquelles Artemis ne prendra pas part. Il y a aussi la ville de San Francisco qui a investi des millions et qui commence à se sentir flouée. Les retombées s'annoncent moindres parce que oui, la Louis Vuitton s'annonce presque ennuyante vu le manque d'enjeux. Une partie des billets des régates a du coup été annulée. Le syndicat d'Oracle, qui ne peut plus fuir ses responsabilités, commence tout juste à reconnaître ses erreurs sur le choix du bateau. Trop grand, trop rapide et surtout trop cher. Mais bon là, c'est un peu tard. Autant dire que la prochaine America's Cup n'a pas fini de faire parler d'elle et n'a pas fini non plus de faire la fortune des avocats. Bon allez, maintenant, on continue avec des gros bateaux, on parle tout de suite de la Route des Princes et de la catégorie ultime. Quel avenir pour les ultimes, ces trimarans hors normes, grands, gros et puissants. Quand la première édition de la Route des Princes pensait rassembler une course offerte aux multi-50 et aux ultimes, un seul a répondu présent, le tout nouveau bateau de Lionel Lemonchois, prince de Bretagne, bateau sponsorisé par le sponsor de l'épreuve. Mais alors, où sont ces autres ultimes? On pense forcément à Francis Joyon et à Thomas Coville avec Idec et Sodebo, sauf que l'un est en ce moment même à la chasse du record de l'Atlantique Nord sur son bateau rouge, et l'autre a préféré régater en M34 sur la Normandie Sailing Week. Au passage, remporté par Franck Hamas. Ce sont donc avec un ultime et 4 multi-50 que 4 modes 70 sont venus grossir les rangs de cette nouvelle course sur un parcours exceptionnel autour de l'Europe. Les équipages sont actuellement en course sur la première étape entre Valence et Lisbonne. À suivre aussi, comme je vous le disais, la tentative de record de Francis Joyon, parti sur l'Atlantique Nord et qui pourrait bien conquérir le grand chelem absolu des records en solitaire. Regatta ne serait pas vraiment Regatta sans sa petite touche finale de départ au tas. En voici un assez sympa à bord d'un J35. Moi je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actu voile. Salut!